Et salut à tous les amis, c'est PFR Foot FR. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du mode Viren Legend sur PES 2020. Et on avait fait une offre à Arsenal, enfin demandé. Et mauvaise nouvelle, les négociations n'avancent pas. Ils ne veulent pas. Et je vois que West Ham est second. On va tenter West Ham. West Ham est meilleur que Bradford. Donc pour nous, ce serait une bonne chose. Et on y va. Prochain match. Contre qui? Contre Crystal Palace. Et on est titulaire sur le flanc droit. Et bien c'est parti. Faut corriger Crystal Palace, qui est apparemment un rival. C'est parti. Jordan Ayew en pointe de leur côté. Salut à tous et merci de nous retrouver pour ce match à part dans le calendrier. Un derby, c'est une affaire de rivalité et ici ça divise des familles, des amis et même des couples. Cette rencontre a beau durer 90 minutes seulement, ses répercussions peuvent se faire ressentir pendant des mois, voire des années et au moins une semaine à la machine à café. Chacun garde en souvenir une victoire arrachée à la dernière seconde ou une humiliation infligée au voisin au nid. C'est aussi ça l'histoire du football. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Allez. On va voir ce que nous réserve le match. C'est parti. Ces deux équipes se retrouvent, elles se sont déjà affrontées plus tôt dans la saison. C'est une vraie ambiance. Et la touche. Il y a de l'électricité dans l'air. Moy au duel. La récupération. Torres, le 1-2. Il s'échappe. Oh, la frappe et l'arrêt du gardien. Townsend, Ward, Down. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? La récupération, non. Kouyaté, Jordan Ayew. Le ballon bien vers Waza. Zawa. Zaha. Pardon. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Stephens. Bon, le score est toujours nul et vierge. Oui, attention, le ballon sur le côté gauche. Oh, quel geste! C'est le moment de centrer. Ouah, Torres qui a tenté la reprise. Attention! Oh, aïe, 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 c'est quoi ça? C'est bien fait, il y a vraiment cru, mais il manque de réussite. Van Aanholt, Tompkins, Kouyaté, devant, en touche directement. Il s'impose physiquement. Ayew qui récupère, meilleur. Jordan Ayew, Kouyaté, Van Aanholt. Une très longue passe. Le ballon devant Verza et la touche.
pour Brighton. Ouch. Qui concède un coup franc. Le ballon là passe sur le côté gauche. C'est joué dans l'espace. C'est bien ce qu'il fait là. Et ballon. Corner à suivre. Un corner. Premier corner dans cette rencontre. Ah. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il rejoue derrière lui. L'interception, c'était chaud. Bientôt la mi-temps. Un dégagement le plus loin possible. Stephens qui a de l'espace. Ah, Zaha. Kouyaté, Jordan Ayou. Ouh, bonne interception. Et la mi-temps sur ce score de 0 à 0. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis ça va leur faire le plus grand bien. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps, le crédit revient. Benteke qui est rentré à la place de Jordan Ayou. Tout en restant très très bien organisé. Townsend. Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. Et corner pour Crystal Palace. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Kamarasa, Benteke. Ah non. C'est joué long, c'est dangereux. Benteke. Townsend. Ou Benteke, la frappe à côté du cadre. Quelle occasion. Ça montre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Il décide d'allonger le jeu. Moy. Moy qui cherche à construire. Dans la profondeur. Ah non, dommage ce ballon. Dommage, c'est trop puissant. Donne. Tompkins. Toujours pas de but ici alors qu'on se rapproche. Van Aanholt. La fin du match. Zaha. Et ballon récupéré. Et la relance. Ça joue pour Brighton. Ah non. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon. Il s'applique pas. Être patient et saisir sa chance. Ou attention Benteke. Ouh. Il a empêché de tirer, heureusement. Il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Allez, ça doit faire but. Oh, la frappe et la vrille du gardien, dommage. Touche pour Brighton. Et on sort, non. Moy. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Ouh, pas de faute. Ashley Young. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Benteke, attention Benteke. Le dégagement et 0-0 entre les deux équipes. Siffle la fin de cette rencontre. On a vu des belles choses dans cette rencontre. Il a manqué les buts. Comme souvent dans ces cas-là, c'était un match nul intéressant, mais 0-0 à l'arrivée. Alors, que retenir de cette rencontre? Quel match, on s'est pas ennuyé. Match nul. Le derby est toujours une date à part dans le calendrier. Et je pense que personne ne méritait de perdre. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu.
toujours 6ème, West Ham qui redescend à la 4ème place. Tenue de balle, on va bientôt commenter. Contact physique. Est-ce que, voyons, est-ce qu'on signe à West Ham? Et non, West Ham non. Alors on va repartir en Ligue 1. Hein. Parce que là, avec... On repart en Ligue 1. Enfin, on tente. En tout cas, on tente de repartir en Ligue 1. Parce que c'est pas sûr. Faut qu'ils acceptent. Allez, Aston Villa. On est titulaire comme il est droit. Navas a rejoint le club. Mais c'est quelle heure Navas? Voyons. Résultat des joueurs. Navas, milieu droit. Ça doit être celui qui joue à Séville, là, qui a joué à City aussi. On va voir ça. Oui, voilà. Lui. Bonsoir, bonsoir à tous, très heureux Allez. De vous accueillir pour cette belle soirée de football, enfin belle soirée façon face à Aston Villa, il faut enfin qu'on remarque un but parce que ça fait plus de 6 matchs qu'on n'a pas marqué. Je profite pour les saluer, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ils sont toujours là pour soutenir leur équipe et l'ambiance qu'ils mettent fait partie intégrante du football. Alors merci et chapeau à eux. Ce stade Granat, Torres, McGinn. Et le match est donc lancé. Chester, Granat. Trezeguet. McGinn. Pour Trezeguet, le bon 1-2 là, sur le côté gauche. Le centre. Le centre. Et repoussé. Faute, oui, faute. Ah, la faute commise. Bon coup franc là. Pour Aston Villa. Coup franc dangereux. Trezeguet. Et pourtant, ça méritait une sanction. Il va peut-être falloir lui parler parce qu'il ne peut pas continuer. Oui, bien repoussé. La prochaine faute, ça sera carton. Ah, il y a un vrai Douglas Lewis. Il est bien placé. Il est intervenu. C'est joué long, attention. Le ballon pour Torres sur le côté. La passe dans la profondeur. Ah non, trop long ce ballon. Ça ne passe pas. Je ne vous l'avais pas précisé pendant la présentation du match, mais sachez quand même que cette équipe est redoutable à l'extérieur. Aucune défaite pour l'instant. Ah, mais applique-toi. Tu l'as fait trop long ta passe, ta déviation. C'était bien joué, mais c'est bien trop long. Fait, là. Il ne résiste pas au contact. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Pourquoi il lui a pas donné, là, par exemple? Trezeguet, McGinn, Trezeguet. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Waouh, faute, bien sûr. Bien sûr qu'il y a faute. Ce sera une faute.
Ouh, la reprise de volée. Il prend quelques centimètres au-dessus du cadre. Magin. Le ballon vers Wesley est récupéré. Dans la profondeur. Et la mi-temps sur ce score de 0-0. C'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. La défense a fait du super boulot, ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. Pas de but, 0-0, tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. La seconde période a donc déjà débuté. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Bonne interception, dommage. Quelle passe. Angels. Se mettre sous la dent, le ballon 0-0. Loin devant. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Il a un peu de liberté. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça, c'est une interception parfaite. Murray qui choisit le côté gauche. Murray. Oh la aïe, dans les bras de Kalinic. Il allonge vers l'avant. Très aigué. Bien pris. Ah, faute. On fait que des matchs nuls. C'est un truc de fou. La défense bien présente. Jouer dans la profondeur. Ballon intercepté. Ça soulage. Ouais, non, là tu vois, c'est moi qui fais pas le bon choix. Avec El Ghazi. Et ils essaient de repartir de derrière. Stephens. Stephens qui a un là-haut. Espace. Oui, bien. Dans la profondeur, bien vu. Et le tir. Oh, contré. Oh, la frappe en taclant à côté. Franchement, c'était pas le meilleur celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix. C'est donc un double changement, hein, par équipe. La longue passe. Ah, dommage. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. C'était une bonne idée, mais ça n'arrivera pas. Attention, et la touche pour Aston Villa. Krilic, Orian, El Ghazi, dernière occasion. Et le match nul 0-0 entre les deux équipes. Ouais, match nul. 0-0 et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, il a manqué des buts dans cette rencontre. Aïe. Voyons, Toulouse. Qu'est-ce que nous dit Toulouse ? Toulouse veut m'acheter. Eh bien, on repart en Ligue 1. C'est parti. Et on va confirmer. Voilà. Et le prochain épisode, eh bien, ce sera donc en Ligue 1.
Est-ce que... Voilà. Pour moi, Toulouse est plus, un peu plus fort que Brighton quand même. Bonjour, je m'appelle Torres, c'est un véritable honneur de pouvoir porter ce maillot. J'espère tous vous revoir le jour du match. Je compte bien me donner à fond pour mon premier match. Merci. Eh oui. Voilà. Eh bien les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde. On never saw.